Alors, le métier que j'exerce en qualité d'avocat pénaliste consiste essentiellement, puisque j'exerce essentiellement en défense, à recevoir ou à visiter des clients, selon qu'ils sont libres ou détenus, à prendre en charge leurs dossiers en fonction de la difficulté et de la technicité, à les conseiller dans un premier temps sur le système de défense à adopter, et puis dans un second temps, à les assister à l'audience pour obtenir le meilleur résultat judiciaire possible. Et puis une fois que la condamnation est prononcée, s'il y a condamnation, à les aider dans l'exécution de cette condamnation. Alors, j'ai passé un baccalauréat scientifique, mais essentiellement parce que j'avais une facilité pour les maths. Je savais que je voulais faire du droit et c'est donc un cursus en droit que j'ai suivi à l'Université Lyon 3. Une licence en droit privé, un master 1 généraliste et puis un master 2 en droit pénal puisque c'est la spécialité que j'ai choisie. Et à l'issue de cette période, alors la cinquième année n'est pas obligatoire pour accéder à la profession d'avocat, j'ai préparé pendant un an l'examen d'accès à l'école des avocats. Alors, sur le papier, c'est un examen. Dans la réalité, on se rend compte que chaque année, il y a le même nombre d'entrées, quel que soit le nombre d'inscrits. Donc, on a quand même le sentiment que c'est un concours déguisé. C'est l'étape là, un petit peu décisive parce que, une fois qu'on accède à l'école des avocats, on est quasiment certain d'en sortir avec le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Et à ce moment-là, il faut trouver une collaboration, un stage qui permet d'intégrer professionnellement ce métier. Il y a plusieurs choses. Ce métier-là, dans cette spécialité-là, fait qu'on est sans cesse en conflit avec quelqu'un, que ce soit avec son client, avec son confrère, avec les magistrats. Et c'est vrai que la dureté et l'adversité de ce métier me stimulent. Ensuite, il y a le fait d'être aux côtés des gens. Et c'est vrai qu'on rencontre des gens qui, en fonction de ce que l'on leur reproche ou de ce qu'a été leur vie, ça crée des rencontres assez inédites. Dans des contextes où vous devenez le confident, parce qu'ils peuvent se confier à personne d'autre que vous, et ça crée des relations très fortes. Et cette richesse-là, elle est renouvelée en permanence parce que plus il y a de clients, plus il y a de dossiers et plus il y a de rencontres. Et c'est vrai que la dimension humaine de ce métier est quelque chose de passionnante. La technicité aussi du droit, qui ne fait que de se complexifier d'année en année. Alors, on imagine souvent que la matière pénale, c'est celle un petit peu des orateurs et de ceux qui savent manipuler les faits pour tromper le juge. C'est pas du tout ça. Aujourd'hui, le pénaliste, c'est un technicien avant tout. Et c'est vrai que jouer avec les règles pour parfois obtenir quelque chose qui n'est pas conforme à la vérité ou à la justice, c'est quelque chose qui est très gratifiant pour un avocat. Et puis, c'est vrai que le pénal a cette particularité que la procédure est pour l'essentiel orale, donc elle vous place à un moment donné de la procédure un petit peu au centre de l'attention. Et c'est vrai que c'est un métier où on aime parler et faire parler de soi et un petit peu susciter l'attention. Donc c'est toutes ces dimensions-là qui me motivent. Avant, même si c'est une dimension importante au fil des années, la dimension financière qui reste finalement assez accessoire. Par certains aspects, oui, puisque la technicité, la qualité de la relation que l'on peut nouer, le caractère l'adversité de ce métier, tout ça, c'est quelque chose que je percevais avant même mon premier stage. Les difficultés de ce métier, je les ignorais avant de commencer, puisque c'est un métier où l'on est en profession libérale, où on est, quel que soit son niveau d'échec ou de réussite, dans une précarité permanente. Et c'est vrai que de vivre avec les soucis administratifs et financiers au quotidien, c'est quelque chose d'assez monstrueux. Alors, quand on se pose la question parfois et qu'on a le temps d'y réfléchir, on se dit, bah, si j'avais su, j'aurais peut-être été magistrat, parce que être magistrat, c'est être fonctionnaire. Alors, c'est le plaisir du droit sans le danger de l'entrepreneuriat, en quelque sorte. Et puis, il y a d'autres jours, on se dit, la liberté n'a pas de prix, et si la précarité, c'est le prix de la liberté, tant mieux. Alors, moi, quand je reçois des stagiaires, j'essaie de les sensibiliser à ça, parce que ce n'est pas une vie facile. Être à son compte,
c'est un combat au quotidien, et que l'on soit bon ou moins bon avocat, c'est une réalité. Et même les plus grands ont pu, à la fin de leur carrière, se retrouver sur la paille. Alors aujourd'hui, on se protège mieux, on est peut-être mieux averti sur ces questions-là. Mais c'est vrai qu'avec mes stagiaires, on a souvent des discussions autour du caractère libéral de la profession d'avocat et de ses difficultés matérielles et concrètes, qu'on n'apprend pas à une faculté de droit, mais qu'on apprend un petit peu sur le tard. Et moi, c'est vrai que j'ai eu pas mal de stagiaires qui ont été un petit peu découragés. Parce que cette dureté-là qu'ils vivaient au quotidien en m'accompagnant est quelque chose qui les a un petit peu découragés. Alors, peut-être à juste titre, mais dans ces aspects théoriques et judiciaires, c'est le métier que j'imaginais. Même si l'ingratitude des gens parfois me déçoit, mais ça, on ne changera pas la nature humaine. La difficulté d'être à son compte est quelque chose que je n'imaginais pas et c'est un sentiment que je ne souhaite à personne. Ça paraît incontestable, ne serait-ce que parce que je pense, moi j'ai toujours su ce que je voulais faire, et je pense que je suis une exception, je pense que la quasi-totalité des étudiants ont des idées, mais ont aussi des doutes, et avoir la possibilité de voir de façon concrète ce qu'est le métier qu'on imagine pouvoir faire ou vouloir faire, c'est déjà quelque chose que la faculté devrait pouvoir offrir. Ensuite, c'est le rapprochement entre les facultés et le monde de l'entreprise ou le monde de la justice qui permettra aussi la facilitation de l'obtention de stages, d'emplois, ou de conférences, hein, tout ce qui permettrait d'huiler et de faciliter la vie des étudiants lorsqu'il s'agit de trouver un métier ou un stage. Moi, ça me paraît indispensable, même si, de façon curieuse, alors qu'il y a des grandes universités à Lyon et un barreau solide et des juridictions tout à fait solides, le rapprochement s'est jamais créé. Peut-être parce que chacun tient à son indépendance. Ça doit se faire par les étudiants, à mon avis, effectivement, parce que les décideurs semblent chacun être plutôt dans leur coin. Et on le voit assez facilement, ça. Alors, je prends des stagiaires assez habituellement parce que pour deux raisons. Déjà parce que j'aime bien le contact avec les étudiants. Je trouve qu'ils sont toujours très curieux, volontaires, et c'est assez intéressant de les voir apprendre de façon concrète le droit, parce que le droit pénal ne devient évident que quand on le pratique. C'est trop théorique à la faculté. C'est pas la faute de la faculté, il faut bien passer par le droit théorique, mais les choses prennent leur sens quand on les vit. Et puis je trouve qu'il y a quelque chose pour le maître de stage de très. C'est une énergie nouvelle qui aussi dynamise le quotidien d'un cabinet. La difficulté qui se pose est que avant le Master 1, voire le Master 2, il y a un niveau de compétence qui est très insuffisant. Donc il y a des stages d'observation. Il y a surtout une seconde difficulté, alors là, qui ne m'appartient pas, c'est qu'il n'y a pas encore de convention entre les facultés et le palais de justice, ce qui est dommage, mais c'est aux facultés de régler ça, à mon avis. Un certain nombre d'actes sont couverts par le secret. Et les élèves d'avocats prêtent un serment qui leur permet d'accéder à tout. Les étudiants en droit, alors, ont une clause qui les lie au secret professionnel avec leur maître de stage, mais pas avec les juridictions. Ce qui fait qu'il y a un certain nombre de magistrats qui peuvent leur bloquer l'accès. Et c'est vrai que dans un stage, avoir des périodes où le stagiaire ne peut pas m'accompagner, alors que c'est un stage d'observation, c'est un problème. Après, ils ont la possibilité de lire des dossiers, de venir en prison, de venir aux audiences où il n'y a pas d'accès restreint. Mais c'est vrai que j'ai plutôt tendance à recruter des stagiaires en fin de parcours, d'abord pour leur niveau de compétence et ensuite parce que j'ai moins de difficultés à les intégrer dans la vie du stage et dans la vie du cabinet pendant cette période-là. Je ne sais pas si je peux donner des conseils parce que la vie présente un caractère aléatoire et je pense qu'on imagine tous à un moment donné, on s'imagine tous dans quelques années et quand on y arrive, ce n'est pas du tout ce qu'on avait imaginé. Ce qui est important, on se donne des études pour avoir le choix. Et moi, en choisissant la matière pénale, j'avais été averti de ce que ce serait difficile, très concurrentiel, peu de place. Et beaucoup de candidats.
J'ai tenté ma chance. Et si j'avais échoué, même si rien n'est totalement acquis, j'aurais fait autre chose. Voilà. Je pense qu'il faut, grâce aux études, se laisser une place pour ses ambitions personnelles et puis pour ses rêves ou ses illusions. Et puis, si on réalise un jour que c'est pas ce qu'il faut faire ou ce qui doit être fait, à ce moment-là, être capable de se dire, je renonce et je choisis d'être pragmatique et de m'assurer un avenir. Voilà. Mais je pense que faire des études, même si on vit dans un pays où on a la chance d'avoir un système éducatif qui permet l'accès au plus grand nombre, faire les études, c'est un luxe qui nous offre le choix de faire ce qu'on voudrait faire. Voilà, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Alors, se donner cette chance, et puis si on n'y arrive pas, parce que le hasard ou parce qu'on a atteint nos limites, eh bien, trouver une voie peut-être qui ne correspondait pas à nos ambitions de départ, mais qui nous satisfait quand même. Mais privilégier ses souhaits malgré les avertissements ou les contraintes, moi, c'est le conseil que je donnerais, même s'il y a sa part de risque et d'échec derrière. Mais voilà, c'est comme ça que je vois les choses. En tout cas, c'est comme ça que j'ai fait. Mais j'appellerai pas ça un conseil, mais c'est plutôt partager la façon dont moi j'ai vécu mes études et surtout la fin de mes études et mon entrée dans le monde professionnel.